Mylène Farmer, je ne connaissais pas du tout, confidence de Sienna, Star Academy, choque les internautes. Il y a 21 ans, le château de la Star Academy accueillait ses premiers élèves. 3 mois d'un apprentissage intense qui a permis à Jennifer d'être la gagnante du programme. Un parcours que la plupart des académiciens de la 10e saison ne connaissent pas. La raison ? Certains d'entre eux n'étaient pas nés, ou étaient encore bébés, à l'époque. Un fait qui peut causer des soucis à certains. Anisha en fait partie. Ce mardi 8 novembre, l'apprentie artiste devait chanter le titre Au soleil. Interprété par Jennifer en 2002, lors de son évaluation. Une chanson qu'elle ne connaissait malheureusement pas. Face au professeur, la colite de Julien Canabi a vite perdu ses moyens en oubliant ses paroles. Une première pour la jeune femme qui a été sévèrement taclée par Yanni Marshall à la fin de l'épreuve. On aurait dit moi en karaoké. Je voulais vraiment que ça s'arrête, a déclaré le chorégraphe. Verdict, Anisha se retrouve sur le banc des nommés de la semaine. Néanmoins, Anisha est loin d'être la seule à faire les frais de son jeune âge dans l'émission. Dans la quotidienne diffusée ce jeudi 10 novembre, les téléspectateurs apprenaient que Sienna ne connaît pas. Elle aussi, tous les classiques de la chanson française. Mylène Farmer, c'est une découverte. Je ne connaissais pas du tout. En tout cas voilà, j'aime bien. C'est pas nul ? A déclaré la jeune femme à la sortie du cours de chant. Une confidence qui n'a pas manqué de choquer les internautes. Improbable. Qui ne connaît pas Mylène Farmer à part Sienna. Ouf, elle connaît Matt Pokora. Sienna, à part Dadju, Jim, Kanji, elle n'a aucune référence. Ne pas connaître Mylène Farmer quand même. Mylène Farmer, je ne connaissais pas. Mais ce n'est pas nul. Sienna, il faut te cultiver. Peut-on lire sur Twitter? Heureusement, quelques-uns n'ont pas hésité à prendre sa défense. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes autant énervé que Sienna ne connaisse pas Mylène Farmer. Faut respirer sérieux, arrêter d'être sévère avec Sienna. Elle est jeune. En tout cas. Une chose est sûre, Sienna ne manque pas de faire réagir grâce à chacune de ses confidences.